Bonjour mes petits papillons, Pause Nature revient cette année, mais Guy toujours pour vous servir. Aujourd'hui nous sommes dans un lieu aussi reposant que nature, au domaine de Vanibelle à Vieux Habitants. Domaine qui reprend un peu la culture du café, de la vanille à Vieux Habitants. Partons en tout cas rejoindre notre artiste aujourd'hui, Véronique Gombeau. Bonjour Véronique. De retour au domaine de Vanibelle, nous recevons aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, une artiste qui vient nous présenter à la fois son single inclus dans l'ouvrage présent sur cette table, alliant excitation des papilles, des yeux et des oreilles. Mais qui mieux qu'elle peut nous en parler, Véronique ? Oui, mais alors, peux-tu dans un premier temps te présenter à nos téléspectateurs ? Oui, je suis Véronique Gombeau, donc chanteuse choriste qui a beaucoup évolué dans différents groupes live. Et aujourd'hui, avec Eddie Babel, je viens à la fois présenter mon single, Véronique Gombeau, ainsi que l'ouvrage Le Fouillapé dans tous ses états. Donc cet ouvrage, c'est en quelque sorte pour mettre en valeur le Fouillapé. Le Fouillapé, il est si bon. Et bien souvent, on le voit aux abords des routes. Donc avec cet ouvrage, Eddie Babel a voulu à la fois mettre en valeur le fouy, mais également valoriser le pays. Donc niveau touristique, en invitant plusieurs artistes, notamment moi. Très bien. Et entre notes de musique, de cuisine et de poésie, comment s'est organisé et comment, ou alors comment même s'est passée la rencontre avec l'auteur ? Donc au départ, il m'a appelé pour faire des chœurs sur plusieurs titres. Et ensuite, il m'a proposé un titre qui s'appelle Développement Bosco, que j'ai interprété. Et puis, il m'a rappelé pour deux autres titres. Et ensuite, il m'a dit, mais Véronique, tu sais, ça fait un moment qu'on se connaît. Et puis tiens, pourquoi ne pas te mettre au devant de la scène avec un titre ? Et puis j'ai été inspirée et je t'ai réalisé un titre qui s'appelle « Fais-moi rêver ». Donc il m'a fait écouter le titre et je lui ai dit « Mais oh oh, mais tu me connais bien, ça me ressemble ». Et puis de là, j'ai interprété le titre et puis il m'a dit « Bon, on a interprété le titre, non seulement il sera dans l'ouvrage, mais on fera également un single qui va te propulser au devant de la scène ». Et puis voilà, et le single. Et pourquoi cette collaboration sur ce sujet-là ? Pourquoi ? Parce que non seulement je suis chanteuse, mais je suis aussi dans l'animation. Et j'avais entre-temps préparé un diplôme d'État qui s'appelle le BPJEPS avec une option qui s'appelle développement durable, justement. Donc je me suis dit, ah ben, tiens, ça tombe bien puisque le développement durable, c'est quoi en quelque sorte ? C'est en quelque sorte une gestion durable. Donc le Fouillapé fait partie de notre patrimoine. Le patrimoine, il faut savoir le garder, le sauvegarder, le préserver. Donc pourquoi ne pas réaliser ce projet avec lui ? Donc tout de suite, ça m'a plu et je me suis dit, voilà. Donc voilà, et ça a donné ça. Alors, Fais-moi rêver, tu le disais tout à l'heure, est le titre que tu vas nous présenter aujourd'hui. Oui. À ton tour, fais-nous rêver, de quoi ça parle, Fais-moi rêver ? Donc, Fais-moi rêver, ça parle en quelque sorte d'une histoire d'amour. Je dirais une histoire d'amour idyllique, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que dans cette chanson, je dis que je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Dis-moi juste un petit mot, je ne sais pas, moi je t'aime, tu es belle, ça me fait rêver. Surtout, on a tout ce qu'il faut dans notre pays, je dirais. Et fais-moi rêver comme ça, je ne sais pas, invente-moi un petit truc, prépare-moi un petit truc, surprise. Et juste ça me suffit, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Un petit mot à l'oreille, une petite attention et c'est bien voilà. Vrai, surtout de nos jours, hein, ça manque, les petites attentions. Les petites attentions, voilà. Attentions, on voit toujours que les gens sont trop pressés, pas exactement. Assez à l'écoute. Exactement. Tu nous fais rêver voilà. Avec ton titre. Avec le titre. Justement, nos téléspectateurs, j'en suis sûre, rêvent que tu, à ton tour, les fasses rêver en interprétant peut-être une petite partie de ton titre. D'accord, sans souci. Aujourd'hui c'est la fête, je veux être la plus belle. Chercher autour les recoins et trouver l'ensemble qui me va bien. Couvre-moi de cadeaux, offre-moi ce beau manteau pour réchauffer ma peau. Fais-moi monter tout là-haut, fais-moi rêver, fais-moi rêver sous le soleil des tropiques. Fais-moi rêver, fais-moi rêver sous le
le soleil des tropiques. Oh mon beau chevalier, dans tes bras je veux rêver. Viens me faire frissonner, je veux sentir que je suis aimé. Je veux vivre une vie pleine d'harmonie et de sourire, unie comme une grande famille. Fais-moi rêver. Excellent. Alors j'espère, chers téléspectateurs, que vous avez autant voyagé que moi avec ce titre qui va paraître très bientôt dans l'ouvrage Découverte en musique, le fruit à pain dans tous ses états, avec l'auteur Eddie Babel et bien d'autres artistes. Et d'ailleurs, on va quand même parler d'eux, juste les survoler, ces artistes. Y a-t-il d'autres interprétations déjà que tu interprètes dans cet ouvrage? Oui, il y a trois autres titres, donc Développement Bosco, et puis il y a également Une Begin qui fait aussi voyager, qui met en valeur le pays. Et puis on a collaboré sur un titre avec plusieurs artistes, Jean-Marc Ferdinand, Gladys Cabarrus, les Frères Nara, etc. Donc plusieurs interprètes sur un même titre. Et à quand cet ouvrage? La sortie? Donc très bientôt. Et quand, où est-ce qu'on va le retrouver surtout? Donc je suppose dans tous les bacs, chez tous les disquaires, et puis également du côté d'Eddie Babel, et puis dans les librairies surtout. Très bien, ben, c'est parfait. En tout cas Véronique, merci d'être venue parmi nous aujourd'hui nous présenter déjà ton single, puisque pour l'ouvrage, chers téléspectateurs, soyez patients, on va y revenir et vous saurez très bientôt de quoi ça parle et je vous donnerai à coup sûr envie de l'acheter. Voilà mes petits papillons, notre émission touche aujourd'hui à sa fin. Vous savez tout sur elle, Véronique Gombeau, une artiste qui nous fait rêver avec un livre intitulé « Découverte en musique » et son titre « Fais-moi rêver » qu'elle nous a interprété avec un brio exemplaire. Un ouvrage alliant musique, poésie, cuisine, peinture que vous retrouverez bientôt dans notre émission et dans vos bacs et dans les librairies avec la participation d'Eddie B, Jean-Marc Ferdinand et bien d'autres. Il sera donc en vente dans toutes vos librairies. J'espère en tout cas vous avoir fait rêver. Moi en tout cas, mon exemplaire est déjà là-bas. À vous de l'acheter. Le mot de la fin sera pour Véronique. Je vous laisse entre de bonnes mains. À bientôt mes petits papillons. À très bientôt avec mon single « Fais-moi rêver ». Gros bisous.